Comment gagner de l'argent dans le coaching et si possible rapidement? Dans cette vidéo, on va partager ensemble 5 plans d'action à pouvoir appliquer dès maintenant. 5 actions appliquées dès maintenant pour gagner de l'argent dans le coaching rapidement. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous aider à gagner de l'argent dans le business du coaching, du consulting, de la formation, de l'expertise, bref, de la transformation. Même si vous partez de loin, vous allez voir que ce sont des plans d'action. Prenez cette vidéo comme un plan d'action concret. Donc si c'est important pour vous de savoir comment gagner de l'argent grâce à l'activité de coaching, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et soyez très attentifs parce que vous aurez l'opportunité de télécharger un résumé de cette vidéo. La première action, c'est régler votre intention dès le départ. Votre intention de gagner de l'argent, il faut la régler correctement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lois dans la vie. Quand on veut gagner de l'argent, il ne suffit pas de dire « je veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent ». Vous devez régler votre intention différemment dès le départ pour pouvoir gagner de l'argent. Et comment régler cette intention ? Sur quoi la régler ? Pour gagner de l'argent, il faut penser que c'est une récompense. Le fait de gagner cet argent. Donc, pour penser à gagner de l'argent, quand on veut gagner de l'argent, il faut penser à apporter de la valeur ajoutée pour des clients, servir des clients ou d'autres personnes, dire comment servir mes clients, comment servir des coachés, comment servir des personnes dans mon entourage pour gagner de l'argent. Donc, c'est très important, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, il faut régler dès le départ cette intention parce que sinon, les lois ne fonctionneront pas. L'argent s'éloigne au lieu d'être attiré par vous. Donc, premièrement, vous dites, ok, je veux servir des personnes, apporter de la valeur ajoutée, de l'expertise pour pouvoir faire la différence. Et dès le départ, une fois que vous êtes prêt, vous dites, c'est bon, je suis prêt, je veux apporter de la valeur ajoutée. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort, je suis prêt à servir des personnes, des clients, des personnes qui rencontreront des souffrances, des difficultés que moi je pourrais aider à servir, à résoudre. Eh bien, dès le départ, vous êtes bien conditionné pour pouvoir faire l'étape numéro 2. Deuxième action, c'est ajuster votre promesse. Il n'est pas, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, il n'est pas nécessaire de commencer à penser à trop de théories, à plein de choses autour de vous. Non, non, non. Pour apporter de la valeur ajoutée aux autres, aux personnes, vous avez besoin de faire une promesse forte qu'ils entendront et qu'ils comprendront. Lorsque vous faites une promesse de transformation, admettons, vous rencontrez une personne qui est en entreprise 3 mois avant la faillite, vous lui dites, écoutez, moi, je peux vous aider à redresser le bilan de votre entreprise, je peux vous aider à redresser la situation économique du business pour partir. C'est une promesse forte qui est faite et ça vous permettra comme ça d'attirer l'attention forte. Ensuite, si vous rencontrez par exemple une personne qui dit, moi, je suis à 3 mois avant mon divorce et j'en peux plus, je sais plus comment faire et c'est pas ce que je souhaite. Si vous dites, écoutez, je peux vous aider à solutionner cette situation là dans les 60 jours qui viennent ou dans les 30 jours qui viennent avant que ce soit trop tard. Là, vous avez une promesse forte. Si vous rencontrez une personne qui se sent mal dans sa peau, en manque de confiance parce que tout le monde la pointe du doigt, son entourage, les autres, et que vous pouvez les aider comme ça à solutionner cette problématique en faisant une promesse forte sur une période de temps précise, là, vous êtes préparé. Vous avez ajusté votre promesse parce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent rapidement. Mais rappelez-vous, votre intention pour gagner de l'argent à un autre endroit, c'est de servir, apporter de la valeur ajoutée et ce sera donc une récompense. Votre promesse est aiguisée. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Exprimez-le, notez-le en 3 phrases. Ici et faites en sorte que ce soit simple, que ce soit facile à comprendre, que ce soit attirant et que ce soit aussi irrésistible. Troisième action, ajustez votre tarif, affinez votre tarif. Parce que si vous voulez gagner de l'argent rapidement, il ne suffit pas de vous mettre simplement en business et de vous dire moi je suis dans le coaching, voici je suis à 30€ la séance, 40€ la séance, 50€ la séance. Non, vous avez besoin de positionner votre tarif, l'ajuster à un tarif haut de gamme. Un tarif haut de gamme qui vous permet de faire en sorte avec très peu de clients, vous puissiez comme ça obtenir un très très grand retour financier. Vous ayez beaucoup, un grand profit avec peu de clients. Et en contrepartie, en échange, vous allez vous engager bien évidemment puisque votre intention de départ, ce sera de servir, de prendre le temps nécessaire pour servir, aller jusqu'au bout du bout avec ses clients. Vous avez besoin de tout ça, d'ajuster vos tarifs, soyez clair par rapport à ça et travaillez à l'intérieur de vous parce que je sais que lorsqu'on se positionne en haut de gamme, on ne l'assume pas toujours. On se dit qui acceptera ces prix, qui acceptera ces tarifs. Eh bien, conditionnez-vous à l'intérieur de vous-même pour vous préparer, pour l'affiner et de savoir que lorsque vous serez en contact avec vos clients potentiels, vous serez déjà préparé parce que vous aurez affiné vos tarifs. Quatrième point d'action, c'est démontrer votre expertise. Maintenant que vous avez affiné votre prix, votre tarif, que vous avez affiné votre promesse, il est temps de démontrer que vous êtes présent, que vous existez. Il faut que vos clients puissent vous voir et savoir que vous êtes disposé à les servir. Vous devez lever la main. Et aujourd'hui, grâce au digital, il n'y a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui pour le faire. Vous pouvez par exemple développer une présence en ligne sur les réseaux sociaux en publiant du contenu, de la valeur ajoutée. Et ne publiez pas du contenu pour du contenu. Publiez le contenu. Ça veut dire que vous ne devez pas parler de vos services. Vous ne devez pas dire, voilà, je suis là disposé à vous aider. Non, non, non. Vous démontrez que vous pouvez les aider en partageant des contenus qui sont très utiles. Parce que vous comprenez votre persona, votre client, et vous apportez des contenus qui servent. Et lorsqu'il voit ça, à la fin, vous dites, ben, on est prêt à échanger. Si vous voulez aller plus loin, je peux personnaliser ce conseil pour vous. Et comme ça, vous allez réussir à montrer que vous êtes présent, que vous êtes disposé à servir. Cinquième action,
invité pour un rendez-vous, à une invitation, toutes les personnes qui auront été intéressées, intriguées, interpellées par votre contenu, par votre valeur ajoutée. Tout ce que vous avez fait au point numéro 4, que ce soit avec des contenus en ligne ou des contenus en face à face, pensez ici à inviter les personnes en leur proposant d'aller plus loin. Je dis bien que ce point est important, vous pourriez vous dire, mais c'est un point logique, si elles sont intéressées, elles viendront vers moi, elles m'appelleront, elles me contacteront. Non, si vous voulez gagner de l'argent rapidement, vous devez être proactif, c'est créer de la valeur ajoutée et puis en même temps, vous avez le devoir, puisque vous avez cette expertise, cette solution, de l'offrir et de donner aux personnes qui ont peut-être des résistances, des réticences encore, cette possibilité de pouvoir poser leurs questions, d'avoir l'entièreté du puzzle et d'avoir vraiment et de comprendre que vous avez une solution qui pourrait vraiment les servir. Donc pensez à les inviter, c'est donc le cinquième point d'action. Le sixième point final, c'est penser maintenant à offrir votre valeur ajoutée, vos produits, vos solutions premium. Lorsque vous êtes en rendez-vous, qu'il s'agisse du face-à-face ou qu'il s'agisse du téléphone, c'était le point numéro 5. Le point numéro 6, cette fois-ci, osez offrir votre solution. Offrir, c'est-à-dire, quand je dis offrir, vous allez être payé pour le faire très généreusement. Mais offrir, parce que vous offrez toujours, ici le montant que vous demanderez sera toujours inférieur à ce que vous apporterez en retour. C'est comme une forme de cadeau parce que vous avez cette expertise, vous avez cette solution et vous allez pouvoir l'apporter, la servir à vos clients sur un plateau d'argent et les aider ensuite à faire les marches, à faire leur part du travail pour résoudre leur situation. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 6 points d'action pour gagner de l'argent dans le coaching. Maintenant, 6 points d'action. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, c'est bien ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment le faire, comment nous le faisons de façon pratico-pratique, notre système en interne, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, je vous offre une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre notre modèle de business complet pour attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme grâce à la puissance du coaching, grâce à la puissance du digital. Le lien est en description. Cliquez sur le lien qui est en description et vous pourrez simplement me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette formation, cette invitation depuis le confort de votre ordinateur. Et puis, si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo, le résumé en format écrit PDF, il vous suffit de laisser en commentaire le mot « argent ». Et un membre de mon équipe ou moi-même allons vous répondre pour vous dire comment vous allez pouvoir le recevoir, vous qualifier. Vous pouvez vous qualifier en répondant ici le mot simplement « argent ». Voilà mes passionnés de liberté. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. C'était un plaisir pour moi. Si vous avez des questions, dites-le moi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, montrez-le moi comment avec un pouce vers le haut. Comme ça, c'est au bas de cette vidéo. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir la voir. Ça montre aussi à YouTube, à l'algorithme que cela vous a plu. Je vous invite ici à me laisser un commentaire ou à découvrir les vidéos qui apparaissent maintenant quelque part sur cet écran. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.